C'était les matins, c'est dans un instant. Bonjour Julia. Bonjour Samuel, j'étais surprise de vous voir. Comment allez-vous ? Je suis là tous les matins. Mais oui, mais c'est parce qu'on parlait avec les gens qui fabriquent Télématin. Vous savez, c'est une grande famille. On est très nombreux sur le plateau. On parlait, vous savez de quoi ? De la série dont tout le monde parle, de Harry et Meghan, oui, qui sort aujourd'hui même sur Netflix. Et à 7h15, la patronne de Point de vue, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, viendra nous expliquer pourquoi Harry et Meghan fait trembler la monarchie. Vous êtes plutôt team Meghan ou team Kate Middleton ? Alors, moi, j'avoue, plus Kate. J'aime bien ce côté un peu chic, réservé, voilà. Bon. D'accord. Voilà. Regardez la série, on en reparlera après. À mon avis, il y a beaucoup de choses à apprendre du côté de Meghan. Et puis, autrement, le niveau d'orthographe n'est pas terrible du tout en CM2. Vos enfants sont en quelle classe, Samuel ? Alors, j'en ai un qui est trop petit pour aller à l'école et le deuxième, il est en CP, donc voilà. Ah bon, c'est un tout pour savoir s'il sera bon en orthographe. En tout cas, c'est la cata, un niveau orthographe en CM2. Surtout chez les garçons, d'ailleurs. On va en parler à 8h15 avec le linguiste Julien Barré, qui sera l'invité d'actualité de Télématin. Et puis, sinon, sortez votre pantalon à paillettes et votre boule à facettes, car c'est Juliette Armanet qui sera l'invitée de Télématin pour nous parler de son album Brûler le feu. Et là, c'est le dernier jour du disco que Thomas est en train de danser son énorme tube. Voilà pour le programme. Mais il n'a pas mis son pantalon... Dites à Thomas de pas se blesser. J'ai tombé mes micros. Il a tout tombé. Si, Julia. Ça va bien, moi, bien marcher, là. Bon Télématin à tous les deux. Nous aussi, on va se quitter en musique.